C'est vrai TV. I tried even putting my fingers. She kept on spitting it out. Mesdames et messieurs de la page C'est Vrai TV, bonjour. Aujourd'hui, j'ai une triste nouvelle à nous partager. Il s'agit de notre maquilleuse et talentueuse professionnelle Félicitus Banda. Elle s'est donné la mort à la veille de la Saint-Valentin 2022. Voilà, elle s'est enlevée la vie. Vous la voyez sur la photo comme ça, bien maquillée. Elle savait comment maquiller. Donc les stars en Zimbabwe et tout, c'est elle qui le maquillait. Elle savait vraiment faire son travail. Alors quelque temps avant de s'enlever la vie, elle avait écrit un message. Je vais la lire pour vous, c'est vraiment triste, je vous dis. Alors elle écrit, « La plupart du temps, lorsque nous tombons sur un message de quelqu'un qui tente de se suicider, nous sommes trop prompts à les traiter de lâches, ou à dire des choses du genre « tout le monde a des problèmes ». Parfois, les personnes suicidaires essayent d'étendre la main aux personnes dont elles sont proches, mais elles prennent leurs problèmes à la légère ou simplement le négligent. Nous gérons également la douleur différemment. Vous avez peut-être été dans la même situation que quelqu'un et vous vous en êtes sorti, mais quelqu'un d'autre pourrait ne pas s'en remettre. Ne banalisons pas les problèmes des autres. Lorsque les gens viennent vous voir, si vous ne pouvez pas les écouter ou leur offrir de l'aide, dites-leur clairement que vous ne pouvez pas au lieu de les ignorer pour venir jouer après. Aux personnes affectées lorsqu'ils partiront, c'est dégoûtant. La dépression existe, prenons soin de nos proches. Et elle écrit encore en caractère gras, « La dépression existe, elle est réelle, prenons soin de ceux que nous aimons. » Waouh, ça c'était son message avant qu'elle puisse se suicider. Vous la voyez là, donc bien maquillée, toute belle. Elle s'est enlevée la vie hier, le jour de la Saint-Valentin. Donc, ça fait très mal. Ça fait vraiment très mal. Voilà. Alors, son amie est en train de témoigner que lorsqu'elle est arrivée à la maison, elle a trouvé, donc, la maison était remplie d'une odeur bizarre. C'était comme cette odeur toxique. Et puis, voilà, elle entre dans la toilette comme ça, elle trouve son amie par terre, morte. Vraiment là. C'est terrible, ok? Donc, sur la photo à côté, vous voyez une photo avec une bouteille orange comme ça, là. Alors, la fille, elle avait déjà envoyé ça sur WhatsApp par quelqu'un. Alors, elle a envoyé la photo, ensuite elle a écrit, vous verrez ça, quand vous verrez cette photo, ça sera déjà trop tard. Voilà, et puis elle a écrit, mais je devais faire ça. Donc, elle était vraiment déterminée à s'enlever la vie. Donc, voilà, ça fait vraiment très mal. Oh là là, oh là là, oh là là. Quelque temps avant, donc c'était déjà quelque chose que, je pense que ces sentiments ces désirs de vouloir s'enlever la vie, je pense que ça commence pas juste d'un coup comme ça. À 13h, tu as envie de t'enlever la vie et puis à 13h20, tu t'es tué. Non, je pense que c'est quelque chose qui commence déjà bien avant. Parce que bien avant, je ne sais pas si vous voyez un message à côté là. C'est comme une conversation WhatsApp. Je vais lire le message pour vous. Elle avait envoyé à quelqu'un. Non, elle avait posté le message sur son statut. OK? Alors, elle disait, c'est en anglais, mais je traduis en français. Elle avait déjà écrit, je commence à me sentir malade comme la fois passée. Je jure, c'est vraiment la même chose. Cette fois-ci, je m'enlève la vie. Je ne peux pas rester comme ça pour 2 mois. Alors,
quelqu'un a répondu à son statut. La personne lui a écrit, quelqu'un lui a répondu, pourquoi tu écris ces statuts? C'est vraiment fort. Et puis elle répond en blanc là que vous voyez, oh, si seulement tu pouvais savoir comment douloureux ouais, si seulement tu pouvais comprendre cette douleur, tu allais comprendre, voilà. Et puis la personne répond, mais tu dois proclamer, but you have to proclaim suicidal. Oui, oui. Et puis la personne lui dit, mais est-ce que tu dois agir de cette sorte avec les pensées suicidaires? Je comprends ta douleur, ta maladie et tout, que ça peut vraiment être irritant et douloureux, mais tu dois rester fort et avoir des pensées positives. Voilà, ça c'est ce que la personne lui répond. Et elle répond par dire que voilà, demande à quelqu'un qui a déjà eu un kyste avant et ils vont te dire. Voilà. C'était vraiment ça. Et dans une autre conversation, elle écrit encore, je suis victime du kyste d'ovaire. J'en ai souffert plusieurs fois. Et puis la personne, et puis elle écrit encore, voilà, j'ai enlevé le post. Tu vois, j'ai enlevé le message. La personne lui répond encore, mais cela ne veut pas dire que tu dois t'enlever la vie. C'est vrai que c'est une maladie et puis ça peut être traité. Ta vie est plus précieuse. Donc arrête avec ça, s'il te plaît. Pense à ta vie. Et puis elle a écrit merci et la conversation s'est arrêtée là. Voilà, la conversation s'est arrêtée là. Alors, Félixtus, avec la personne qu'ils étaient en train de parler, je ne sais pas si cette personne lui avait même contacté encore après. Oh, tu voulais t'enlever la vie, comment tu vas maintenant et tout. Je ne sais pas. Voilà, le message que j'ai lu tout à l'heure, c'était ça. C'était ça avant qu'elle puisse mourir. Elle a laissé un long message où elle a expliqué que voilà, il faut... Lorsque quelqu'un vous contacte, lorsque quelqu'un veut vous parler, essayez vraiment de l'écouter parce que vous ne savez jamais ce que la personne traverse. Oh wow! À cause de ces messages, beaucoup de gens ont réagi. Je vais aussi lire leurs commentaires. Il y a Dorian qui dit, la dépression est réelle. Prenons vraiment soin de nos proches. Repose en paix. Repose en paix. Alors, Naomi dit, elle s'est donné la mort, donc elle a décidé à la place de Dieu de mettre fin à ses jours. Je ne crois pas qu'elle va se reposer en paix. Eh, Seigneur, en tout cas, Seigneur, juste aie pitié de ton enfant. Juste aie pitié de ton enfant. Voilà, Marceline dit, c'est souvent ce que nous vivons, des proches qui font semblant de nous aider et pourtant ils se moquent. Ils n'ont rien à faire de nos problèmes. Bien sûr, mais il faut beaucoup de force et courage pour sortir de là. Voilà. Et aussi, vous savez, il y avait quelqu'un qui avait écrit dans un commentaire que c'est parce que la fille ne connaissait pas Dieu. Parce que si tu connais Dieu, tu vas aller pleurer. Ta dépression, ta maladie, c'est Dieu qui va finir tout ça. En tout cas, je ne sais pas, on ne peut pas juger la personne, mais tout ce que je sais, c'est que À cause de son message, je pense que même moi-même, j'ai appris quelque chose, qu'il faut vraiment faire attention. Quand quelqu'un te contacte, c'est parce que cette personne veut peut-être que tu puisses l'aider à trouver une solution à un problème. Voilà, on peut sauver une vie en écoutant cette personne. Ayons l'habitude d'appeler les autres. Nous ne savons jamais ce que les personnes traversent. Vous savez, pendant la période de Corona, il y a beaucoup de gens qui sont entrés dans des dépressions terribles. Pourquoi? Chaque matin, quand tu te réveilles, tu allumes la télé. Oh, les cas ont augmenté. Oh, on a fermé les restaurants. Oh, tu ne peux plus aller au fitness. Oh, tu ne peux plus aller à l'école. Beaucoup de gens étaient stressés. Beaucoup de gens étaient stressés. Alors, c'est vraiment un temps où nous devons vraiment rester soudés et comprendre que la dépression, ça peut toucher n'importe qui. Les gens qui connaissent Félicitus disent qu'elle avait toujours un sourire. Elle avait toujours un sourire, mais en elle, on ne savait pas ce qu'elle traversait.
On ne savait pas ce qu'elle traversait. Vous savez, en nous, Dieu met toujours un talent. Dieu met toujours un talent. On voit Félicitus, elle a un problème avec l'autre œil. Et voilà. C'est pour d'autres personnes pouvaient dire que oh, c'est une faiblesse et tout. Mais elle, elle en a profité pour faire de ça sa force. Elle est devenue très célèbre parce que elle avait un problème avec l'œil, mais elle a commencé à se maquiller. Elle a donné ça de la valeur. Elle n'a pas seulement maquillé l'œil qu'elle voyait, mais l'autre œil aussi. Et c'était beau, vous voyez dans ces photos et tout. OK? Une autre personne va se dire non, l'œil ici, ça ne fonctionne même pas. Pourquoi je vais maquiller ça? Mais la beauté de tout ça, c'est juste les couleurs qu'elle mettait. Vous voyez dans la photo, dans plusieurs de ces photos. Vraiment, paix à son âme, paix à son âme. Elle pouvait embellir d'autres personnes, mais en elle-même, elle avait toujours quelque chose qui la dérangeait. Ma prière d'aujourd'hui est que Seigneur, aide-moi. Aide-moi à être utile pour les autres. Pendant que les autres traversent des moments difficiles, que je sois toujours là. C'est vrai que nous traversons, nous sommes toujours occupés avec les enfants, avec la famille, avec l'école, le travail et tout, des priorités. Mais Seigneur, que je puisse toujours trouver une place pour les autres aussi. Que je puisse toujours trouver une place pour les autres aussi. Mais à ce que je sache aussi, chercher à se tuer, à s'enlever la vie, se suicider, c'est aussi un esprit. C'est aussi un esprit. Donc voilà, elle avait bu le médicament que vous voyez à côté. Ça s'appelle, j'ai vraiment bien zoomé ça, c'est écrit insecticide. Voilà, c'est pour cela que son ami dit que lorsqu'elle est entrée dans la maison, ça sentait fort. Ça sentait fort. Voilà. Alors, c'est ça la nouvelle d'aujourd'hui. Mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, prenons soin des personnes qui nous entourent. Tu vois quelqu'un rire comme ça, mais tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas. C'est vrai, TV. C'est vrai, TV.